Salam alaikum, bonjour à tous. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de la programmation mensuelle de la médiathèque de la Fondation de la Mosquée Hassan II, ayant pour thème général les écrivains marocains d'expression française. Et aujourd'hui, nous allons aborder un écrivain emblématique ou une icône de la littérature marocaine d'expression française, à savoir Feu Driss Chraïbi, à travers son livre La civilisation, ma mère. La civilisation, ma mère, comme son nom l'indique, raconte l'histoire d'une maman, d'une femme, dans sa quête de savoir, dans sa quête d'émancipation et de liberté. La civilisation, ma mère, se compose en deux chapitres. Le premier chapitre a pour titre « Être », le deuxième « Avoir ». Ces chapitres sont racontés, ou l'histoire de cette femme est racontée par ces deux garçons. Et donc, on est dans les années 30, dans le cadre d'une maison marocaine, d'une famille marocaine aisée, qui habite une grande maison, et où on trouve le papa, la maman et leurs deux garçons. La maman manifeste, il s'est marié très jeune et a eu ses enfants très jeunes aussi. Et une fois que ses enfants ont grandi, elle a commencé à se poser des questions sur l'existence, et ces questions traduisaient une quête et un besoin de savoir, un besoin de connaissance et un besoin de découverte du monde extérieur, de tout ce qui se passe au-delà des murs de sa maison. Et cette quête de savoir va s'accentuer davantage avec l'arrivée et l'introduction dans la maison d'objets de la civilisation. Il y a eu d'abord l'électricité, après il y a eu le fer à repasser, la machine à coudre, la radio, le fer à repasser. Et avec chaque objet, la maman posait à ses garçons et posait à ses objets même des questions. Elle voulait comprendre comment marchait cette radio, par exemple. Qui est cette voix qui se cache derrière la radio? Et donc, en voyant ce besoin de connaissance chez leur maman, les deux garçons vont décider d'accompagner justement leur maman dans cette recherche de savoir. Ils vont l'emmener, la faire sortir de la maison pour lui faire découvrir d'autres facettes du monde extérieur ou d'autres formes de civilisation. Donc d'abord, ils l'ont emmené au cinéma, après ils l'ont emmené dans un parc où elle a découvert pour la première fois que l'eau pouvait couler dans un ruisseau, elle s'est assise sur l'herbe. Après, ils l'ont emmené dans une fête mondaine. Elle a vu des femmes habillées différemment, dans tenue occidentale. Elle a découvert des facettes de la vie qu'elle ignorait complètement. Et à chaque fois, encore une fois, à chaque fois qu'il rentrait d'une sortie, donc il le faisait en cachette, à chaque fois qu'il rentrait d'une sortie, la maman venait vers eux pour poser encore plus de questions. C'est la première partie du livre, la partie être, va tourner autour de ça. Donc il y a une touche de naïveté, de candeur, mais aussi de légèreté dans la découverte et de cet apprentissage. Nous accompagnons cette femme dans cet apprentissage et nous découvrons sa façon naïve de poser des questions, mais aussi on se pose des questions à notre tour par rapport à ces objets de la civilisation. La deuxième partie du livre, le chapitre « Avoir », c'est l'enfant aîné qui va prendre le relais, Naguib, et qui va, c'est un enfant, déjà ce deuxième chapitre, le ton du livre change, parce que la maman, elle va prendre la main de son histoire, et elle va sortir, elle va s'inscrire dans des cours, elle va réussir ses examens, elle va se détacher des tâches ménagères quotidiennes, elle va apprendre à conduire,
et son compagnon dans cette nouvelle forme d'apprentissage ou cette nouvelle forme d'émancipation va être son fils aîné, puisque le cadet était parti poursuivre ses études en France. Cette deuxième partie, la maman va aussi s'intéresser à l'histoire, à la géographie du monde, à la carte du monde. Elle va s'intéresser à la cause nationale. Elle va se lier d'amitié avec des femmes qui sont introduites qui participent à la cause nationale. Et à chaque fois, c'est son fils aîné qui va l'accompagner. Et c'est drôle parce que le papa qui était durant tout le livre absent, en fait, on sentait sa présence, on sentait l'ombre et le poids de sa présence parce qu'il intervenait dans des situations conflictuelles ou pour prendre des décisions. Mais son apparition vers la fin du livre va être touchante puisqu'ils vont s'octroyer des moments sympathique entre son grand garçon et lui, d'échange entre hommes, de jeux de cartes. Et donc une fois, son grand garçon lui pose une question sur ce qu'il pensait de l'émancipation, de cette transformation de sa femme. Et le papa qui lui répond qu'il n'en était nullement dérangé, au contraire, qu'il défendait sa femme. Même à l'égard des membres de la famille qui venaient lui poser des questions et même lui faisaient des remarques sur le nouveau visage de sa femme, et qui au contraire il n'était, comme j'ai dit, nullement dérangé, et qu'il découvrait le monde à travers sa femme. Donc la civilisation mammaire, c'est l'histoire de toute personne qui cherche à se libérer d'un poids au-delà de la liberté ou de la libération de cette femme. Et c'est un appel à se libérer de tout poids qui peut nous entraver dans notre démarche. Et donc, c'est une libération qui s'est faite dans la douceur, mais surtout à travers le savoir et à travers la recherche, à travers des questionnements et à travers la recherche de réponses. La recherche de réponses dans tout ce qui nous entoure. Un extrait rapidement. Elle avait un soif d'apprendre, d'assoiffer en plein désert, débusquant la vérité derrière le mot, soulevant chaque mot comme une pierre pour voir ce qu'il y avait en dessous, lézard, scorpion ou terre érable, pour vérifier s'il avait un poids, une réalité quotidienne, une âme capable de parler à son âme. C'est ce qu'elle m'a expliqué plusieurs fois. Jusqu'à ce que je comprenne. Elle voulait savoir de sciences certaines. Elle dénichait de curieux écrits qui vous déchaussaient les dents. Voilà un extrait de La civilisation mammaire, un livre à lire, à relire pour plusieurs et à faire découvrir à nos jeunes lecteurs, à nos jeunes enfants. Portez-vous bien et à très bientôt, à la prochaine capsule, Inch'Allah.